Bien, alors, discutons en paix, s'il vous plaît, parce qu'on n'est pas là pour se faire la guerre et on est 7 milliards d'êtres humains sur la Terre, donc, s'il vous plaît, discutons en paix. Deuxième truc, pardon. Tout simplement, pardon. eBay, PayPal, j'ai dit de la merde sur vous, très clairement, j'ai dit de la merde. Il aurait peut-être fallu mieux que moi je fasse gaffe. Je me suis fait arnaquer entre guillemets sur via vos services, donc via eBay, via PayPal, en vendant un ordinateur portable sur eBay avec une personne qui voulait régler avec PayPal. L'argent, j'en ai jamais vu la couleur, et le problème, c'est que j'ai laissé 700 euros de ma poche en recharge transcash à ce dealer. L'autre problème réside dans le fait que je vous ai contacté tous les deux, eBay, PayPal, et l'un comme l'autre tient tête à son propre système, et l'un m'a même fait la remarque, la prochaine fois tu feras attention. Où est le service client? Juste ça, parce que là très clairement. Donc eBay, PayPal, si vous tombez sur cette vidéo, je m'excuse envers vous. Très clairement, j'ai dit de la merde sur vous, mais il y a un autre truc. La manière dont vous avez traité le dossier est absolument immonde. Je ne sais plus lequel que c'est, hein, le fautif, eBay ou PayPal, l'un des deux. En tout cas, sachez qu'on ne répond pas comme ça à quelqu'un qui vient de se faire arnaquer. C'est un choc psychologique. Aujourd'hui, j'en suis remis, je vais bien, hein, j'ai pas été piqué, je sais pas quel truc, bon. Mais tout va bien aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Mais cela dit, je venais de me faire arnaquer, j'étais choqué psychologiquement, et l'un des deux, eBay ou PayPal, m'a tout bêtement répondu, mais la prochaine fois, tu feras attention, quoi. Tu t'es fait arnaquer, bah, tant pis, la prochaine fois, tu feras attention. On m'a dit, contacte eBay, contacte PayPal. Je les ai contactés à deux. L'un ne m'a pas répondu, tout simplement. L'autre m'a lancé un truc un peu bizarre, quoi. La prochaine fois, tu feras attention. Aucun des deux m'a proposé un bon d'achat. Aucun des deux m'a proposé un dédommagement. Aucun des... Rien, personne. Il n'y avait personne. Je ne sais pas si c'était le jeudi de l'Ascension ce jour-là ou... Donc, ceci étant, la manière dont ça a été traité, dont ça a été fait, c'est absolument inacceptable. Je reste toujours très remonté contre vous, eBay et PayPal, les deux. Pour moi, vous êtes un peu les deux mousquetaires d'Internet qui font parler d'eux. Donc, très clairement, je suis très remonté contre vous et la manière dont le dossier a été traité, ça ne se fait pas, tout simplement. Je suis vachement en colère contre vous. Donc, au lieu de dire la prochaine fois, tu feras attention, essayez au moins de dédommager la personne, quoi. Vous m'avez rien proposé, vous m'avez laissé derrière. D'accord? Alors, je sais que ça doit vous coûter une fortune, hein, tous les dédommagements, les gens qui se plaignent, etc. Ça doit vous coûter une blinde, je sais. Mais dans ce cas-là, c'est qu'il y a peut-être un problème. Aujourd'hui, je vais bien, il n'y a pas de problème, tu vois. J'ai une manette de PS4 d'occasion, j'ai deux MacBooks, t'as vu, aux aïe, aux aïe. J'ai un autre PC, j'ai fêté mon anniversaire, tout va bien, vous inquiétez pas, vous occupez pas de moi à la limite. Hein. Donc, bref, ceci étant, c'est scandaleux ce qui s'est passé. Je m'excuse quand même pour ce que j'ai dit envers eBay, envers PayPal, mais sachez que la situation est scandaleuse. Voilà, aujourd'hui, je vais bien. Vous en faites pas pour moi. Voilà. À la prochaine.